Salut les pantouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Quick Tip. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, Quick Tip c'est simplement des tutos super rapides de 5-10 minutes grand grand maximum, pendant lesquels je vais vous présenter une recette rapide, une technique rapide, qui ne mérite pas forcément d'être développée pendant une vidéo plus longue, plus classique, comme je fais d'habitude, de 30 minutes, voire plus. Ce format, il me permet aussi de répondre plus rapidement à des questions. Et là, on a l'exemple type. Je suis en train de peindre cette figurine. Vous voyez, c'est encore un whip. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et j'ai déjà mis les photos du whip sur mon Facebook. Et j'ai eu beaucoup de questions sur cette armure verre d'eau. Donc, plutôt que de faire un tuto comme je fais d'habitude, qui va me prendre plusieurs heures à être tourné, que je vais mettre sur Patreon et qui sortira 3 mois plus tard sur YouTube, là, je fais vraiment un truc très rapide, avec un montage ultra basique et avec un tournage ultra basique. Et là, lui aussi, très rapide, je vais moins détailler, je vais moins pousser, je vais moins filmer pour que ça sorte rapidement, tout de suite sur YouTube, et donc 100% gratuit. Avant de me lancer, encore un grand merci à War Factory qui m'a envoyé cette figurine et ses petits copains. Vous avez un Open the Box bien détaillé sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une figurine Dust 1947. Je donne plein d'infos sur War Factory et sur le jeu dans cette vidéo. Vous la retrouverez directement en lien à la fin du tuto. Vous pourrez cliquer directement sur la petite image ou c'est aussi repris dans la description de ce tuto. Comme cette recette que je vous avais montrée il y a quelques temps, le tuto d'aujourd'hui, pour le tuto, va pas y avoir besoin de couche de base. C'est la sous-couche qui va servir de couche de base et on va utiliser les peintures contraste Citadel pour faire des ombrages, pour faire des glacis qui vont nous permettre de créer le dégradé. Du coup, il vous faut une sous-couche vraiment super propre. Quand je fais des cours, quand je fais des soirées, je dis souvent que la sous-couche, on peut se permettre de faire un truc un peu léger, même si on voit le plastique encore en dessous, c'est pas grave. Même si c'est légèrement granuleux, c'est pas grave. Non, là, il vous faut vraiment une sous-couche super propre, super lisse et super homogène. Là, j'ai utilisé le Grey Cire de chez Citadel Games Workshop. C'est une sous-couche que j'aime beaucoup. La couleur me plaît beaucoup et le rendu final me plaît beaucoup parce qu'on a vraiment quelque chose de bien bien lisse. L'inconvénient, c'est que parfois, c'est un peu difficile de la recouvrir. On le verra peut-être sur la partie qu'on va peindre aujourd'hui. Parfois, quand on applique les couleurs dessus, ça fait un peu des auréoles. La peinture a tendance à se rétracter. C'est pas dramatique. Si ça vous le fait, il faut repasser une couche, deux couches, trois couches, jusqu'à avoir une couche de base qui est bien propre. Et même là, avec les contrastes, ça va peut-être le faire. En tout cas, sur certaines zones de la figurine, ça l'a fait. Surtout, ne tombez pas dans le piège de vous dire, ok, la peinture accroche pas, donc je dilue pas du tout, je mets du pâté. Vous allez faire des grosses traces vraiment, vraiment pas jolies. Donc, si vous êtes embêté, moi, ce que je fais souvent, d'ailleurs, c'est arrivé hein, sur le bouclier quand j'ai voulu mettre le décalcomanie. J'ai pris de la graissière très diluée, c'était limite de l'eau de rinçage. Et j'ai juste fait un passage comme ça que j'ai laissé sécher. Et juste ça donne une petite porosité à votre sous-couche qui permet normalement derrière de plus avoir de soucis d'accroche. Allez, on est parti. Donc, on va traiter cette grosse partie ensemble. C'est la partie la plus compliquée de la figurine, donc c'est un petit peu couillu de faire ça sur un tuto rapide, mais bon, ça devrait bien se passer. La recette, bon, là je la maîtrise, hein, c'est la dernière zone qui me reste à peindre de cette couleur. Donc pour la première étape, on part sur du Isomatic Blue mélangé avec du contraste médium. C'est un mélange 50-50. Il est là sur la palette. Armez-vous quand vous utilisez les peintures contraste d'un pinceau plutôt vieux. Donc là, je suis toujours sur un Maestro Da Vinci en taille 1. J'aurais pu prendre un taille 2 d'ailleurs, vu la surface, mais bon, le taille 1 fera l'affaire. J'ai pris celui-là parce que c'est un des plus vieux que j'ai. Il a plus de 6 mois et c'est vrai qu'il commence à être moins joli. On voit qu'il y a un peu de traces de peinture en bas. Il y a sûrement une fois, je l'ai moins bien nettoyé. Donc bon, ça ne m'embête pas de l'utiliser pour la contraste. J'utiliserai jamais un pinceau neuf ou un pinceau avec une très bonne pointe pour la peinture contraste parce que même quand on rince bien, ça a quand même tendance à flinguer les pinceaux. On y va. Donc là, ce premier passage,
Je vais y aller un peu global, vous voyez. Le but, c'est déjà de commencer à bien teinter. Donc là, je me rends compte que le glacis de peinture de graissir en pot plus mon eau, il a été efficace parce que la contraste adhère très bien. Donc là, je rince mon pinceau et je vais venir flouter la transition. Flouter, et puis je vais finir tirer ça. Tac. On va renforcer un peu dans chaque trou là. Et on laisse sécher pépère. Alors, une fois que le premier passage que je vous ai montré était sec, j'ai refait la même chose, j'ai fait un second passage, toujours pareil, que j'ai tiré comme ça vers le bas et je suis remonté à peu près jusque là. Voilà, donc vous l'avez compris, l'idée c'est de laisser toute la partie haute en graissir pour faire un éclairage zénithal et juste faire mumuse avec les ombrages sur le bas. Donc, la suite, il est où? Il est là. C'est du Terradon turquoise, toujours de la peinture contraste de chez Citadel, que j'ai de nouveau mixé avec du contraste médium. Le mélange est là. Cette fois, j'ai mis deux gouttes de contraste pour une goutte de peinture. Tout simplement parce que le Terradon turquoise, il est un peu plus violent, il marque un peu plus. Donc, je préfère le diluer. Et je vais mettre ça dans les ombres les plus profondes. Donc là, hop, ça va être quelque chose comme ça. Là, j'ai bien déchargé mon pinceau et je viens flouter de nouveau. Il fait très 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 chaud aujourd'hui. Donc la peinture contraste sèche très très vite. Donc évidemment, c'est pas l'idéal. Je vais sûrement avoir quelques auréoles, mais c'est pas dramatique. Je veux de la texture. Et de toute façon, derrière, il y a du weathering, donc ça va bien bien cacher. Donc, comme je le redoutais, avec la chaleur, ça fait des petites auréoles ici que j'ai pas réussi à gommer. C'est pas grave, puisque de toute façon, il y avait une étape de gommage des boulettes dans cette recette avec du Scurvy Green qui est juste ici sur ma palette. Hop là, casse pas tout. Je vais en mettre un peu. Là, je dilue pas mal. Et le Scurvy, il va me permettre de lisser les trucs pas beaux. Je vais me passer des glacis comme ça sur les auréoles, jusqu'à ce qu'elles disparaissent comme des grandes. Ça aussi, j'ai déjà fait un tuto sur la chaîne sur le lissage des dégradés. Et je vous montre ces techniques-là pour dégager des trucs pas beaux. Alors là, vous voyez, celle-ci, il y a vraiment un trait là qui est pas joli. Donc ce que je vais faire, je prends un peu de graissir là, ce qui est sur ma palette qui est un peu hors champ, avec un peu de scurvy, et je viens taper sur ce trait qui est vraiment pas beau, pour l'estomper. Et une fois que c'est sec, un petit glacis de scurvy. Et c'est déjà beaucoup plus discret. Bon, une fois de plus, moi je veux de la texture. Et je suis vraiment sur la figurine de jeu Rapidos. Donc je vais pas lisser pendant 3 heures. Si vous avez été trop généreux avec vos ombrages et que vous avez un peu tarté la partie claire, une fois de plus, ressortez simplement votre graissir en pot et retouchez. Là, je suis plutôt content, ça me convient, donc je ne vais pas passer par cette étape-là. Et je vais pouvoir commencer à éclaircir avec du vert de gris de chez Valero Game Color. Il est là sur la palette. Donc là, je me fais une tache diluée. Et une tâche que je laisse pure, si vous allez voir, je vais faire beaucoup de texture avec celui-là. La figurine est un peu balèze, hein, donc c'est pas super simple à tourner. Je suis désolé s'il y a quelques séquences un peu floues, parce que c'est gros. Donc avec ça, vous voyez, je vais reprendre toutes les arêtes. Et je vais passer des glacis comme ça sur tout le haut de ma partie claire. Le but, ça va vraiment être de teinter
avec un petit voile ben, vert de gris tout simplement, le haut de mon bouclier et avec la peinture non diluée, je vais me reprendre ça là, toutes les arêtes, en faisant des traits, en tapotant, en jouant avec ma peinture et vous me connaissez bien, il va y avoir du battle damage, des petits impacts un peu aléatoires à droite, à gauche. C'est quand même un bouclier, donc il faut que ce soit abîmé. Et puis ça, c'est clairement l'étape qui va booster la lisibilité de la pièce sur la table de jeu. Donc c'est le moment où on fait mumuse. Ça commence à prendre forme gentiment. On va encore faire quelques retouches, quelques ajustements avec ça, le Caribbean Blue. Donc c'est une peinture Scale Color, le SC49. Alors celui-ci, je l'ai trouvé dans le kit bleu Scale Color, qui est bien pratique parce qu'il y a plusieurs teintes très intéressantes. Maintenant, il faut que je vois si j'arrive à trouver celui-ci à l'unité pour le proposer sur la boutique Minisoc, parce que j'avoue que depuis que je l'ai essayé, celui-ci, j'en ai quasiment de partout. Donc ce serait utile de l'avoir. Donc il est juste là sur la palette. Et ça va me permettre de retoucher les zones comme ici. Donc sur lesquelles je suis passé uniquement avec laser matic blue. Et où ça a éventuellement un peu cacaté. En fait, c'est proche, c'est assez proche de laser matic. C'est quand même un peu plus vert. Mais comme c'est une peinture classique, c'est pas une peinture contraste, on a un meilleur contrôle dessus. Donc ça permet d'ajouter de la nuance et ça permet aussi de renforcer certaines zones. On va dire, vous voyez, par exemple ici, je veux mettre un peu plus de vert. C'est très facile. Ici aussi, je passe un glacis. Ici aussi. Je le fais pas avec le laser matique, je fais avec ça. Hop là, ça se fait quand même plus facilement. Laser matique va très très bien pour dégrossir le boulot, mais pour peaufiner, je préfère quand même passer par les peintures plus classiques. Et c'est à ce moment que vous dites, mais il se moque de nous, il vient de nous pondre un turquoise, ça n'a rien à voir avec son armure. Parce qu'effectivement, si vous regardez ici, on est vachement plus vert par rapport à mon bouclier. Et si vous sortez votre cercle chromatique ou ce que vous avez appris à l'école maternelle, quand on a du bleu et qu'on veut faire du vert, qu'est-ce qu'on met? Eh ben ouais, on met du jaune. Alors je vais pas mettre un jaune pétos, je vais mettre un truc jaunâtre. En l'occurrence du Zandri Dust et du Steel Légion Drab. C'est en jouant avec ces deux-là, donc il est là. Alors là, Glacis de chez Glacis ultra dilué. Hein. Attention, faut pas ruiner tout le boulot que vous venez de faire. On dilue, on dilue, on dilue. Encore un peu, je mets encore un peu d'eau. Voilà. Et là, on décharge le pinceau. Là, et je le mets dans l'écran. Je laisse quasiment rien. Bon, là, j'ai rien laissé du tout, pour déconner quand même. Et j'y vais. C'est vraiment du glacis général et généreux. Et hop, j'en vire quand même un peu parce que bon, quand ça commence à faire des bulles. Pardon, c'était flou. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, s'il y a deux auréoles, c'est pas bien grave. Bon, voilà. Et là, clairement, alors j'espère que ça se verra à l'écran, mais tout de suite, le bas est en train de verdir par rapport au haut qui restait beaucoup plus bleu. Donc ça, c'était le Zandri et son copain là, je l'utilise pour les zones un peu plus profondes. Typiquement, c'est lui que je suis venu bourrer là-bas dessous sous les réacteurs, là-bas en dessous, là vraiment sur les jointures. Donc lui, je vais y aller. Alors autant diluer parce que je veux vraiment y aller léger, mais plutôt dans les zones profondes. Donc ça va être comme ça par exemple. Vous voyez. Plus diluer un peu plus. Donc
Donc ça va me permettre de retrouver une armure plus verdâtre. Et vous vous en doutez, ces deux couleurs-là, je vais les mettre un max sur mon socle. Comme ça me permettra de faire un rappel de couleur et de faire un peu comme si la figurine était sale. Donc j'en ai mis en bas, mais je vais aussi en mettre sur le haut pour jaunir un peu tout ça. La dernière étape, si vous suivez ma chaîne et vous me connaissez bien, vous la voyez venir depuis un moment, c'est évidemment mon chouchou forever, le blanc cassé, le Off-White de chez Valero Game Color ou de l'ivoire. Ça peut aussi faire l'affaire. Celui-ci, c'est vraiment un indispensable, hein, je pense que si. Si vous regardez mes tutos depuis un moment, vous l'avez compris, je le mets de partout. J'utilise très rarement du blanc pour éclaircir. Je mets beaucoup, beaucoup plus souvent du off-white ou du vert de gris ou un bleu cassé. Celui-ci aussi que j'ai fait rentrer il n'y a pas très longtemps sur la boutique, le bleu gris clair. Super. Ça remplace le blanc. Enfin, ces trois-là remplacent le blanc dans 99% de mes tutos. Le blanc, souvent, je le garde uniquement pour les métaux non métalliques. Donc, l'ivoire, ultra simple. Enfin, l'ivoire, le blanc cassé. Je vais essayer de me caler. On va tapoter les arêtes comme ça pour mettre des points de lumière. Ici. Et puis, évidemment, c'est lui qui va faire le job sur les battle damage. Alors là, il y en a déjà un. Je vais venir le renforcer. Des petits points, des petits screw-you-you, des petits traits. Voilà. C'est la fête au battle damage. On en met autant qu'on en aime. C'était pas très français. Autant qu'on en veut, c'est mieux. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Alors, ultime peaufinage, j'ai passé quelques glacis très 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 dilués et avec un pinceau très 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 déchargé de vert fluo. On le voit ici, on le voit ici. On devrait le voir là-haut. Je voulais rappeler la source d'énergie verte, le fameux VK. Alors, je ne sais pas si dans le fluff, le VK est vert. Je sais d'ailleurs si on... Je ne sais pas si on connaît la couleur du VK, en tout cas moi je voyais ça vert. Donc je voulais que vraiment on en retrouve un petit peu partout sur la figurine. La fameuse énergie extraterrestre qui permet aux marcheurs de Dust et aux armes spéciales de Dust 1947 de fonctionner. Voilà, donc comme ça il y en a un petit peu de partout et ça m'a permis de verdir encore le résultat parce que je trouvais ça encore un poil trop bleuté. J'espère vraiment que ce nouveau tuto et ce nouveau format vous plairont. Perso, moi j'aime bien. C'est vrai que ça permet de faire des tutos un peu à la volée. Là, je suis en train de peindre, hop, je sors vite fait ma caméra, je tourne le tuto et voilà, je peux avancer en plus sur un pitou perso, chose que je ne faisais plus depuis très 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 longtemps. Donc c'est cool, ça, perso, ça fait du bien de pas se mettre sur des pitous uniquement pour faire des tutos. Là, ça fait d'une pierre deux coups et je trouve ça très très agréable. Donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez surtout pas à claquer le pouce vers le haut, le petit commentaire, le bisou, le poutou, le partage. Surtout, c'est le bouche à oreille vraiment qui fait vivre la chaîne et qui aide la chaîne à se développer. Donc si vous voulez partager. Faites-vous plaisir, ça me fait plaisir à moi également. Si vous aimez ma chaîne, si vous voulez me soutenir, il y a plein d'informations dans la description de la vidéo. Si vous avez des vieilles figurines Dust qui traînent dans vos placards et qui ne vous serviront plus, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou sur le blog Minisocle. Je leur donnerai bien, bien, bien volontiers une seconde vie pour me faire plaisir, pour m'amuser et pour vous proposer de nouveaux tutos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!